Chers amis, d'abord, heureux de votre participation à ces 5e universités de l'EFCCRE. Merci à Jean Leonetti de son accueil formidable. Ça nous fait vraiment plaisir. Tout l'ADN de l'EFCCRE, c'est précisément de dire que, d'abord, nous sommes des militants de la construction européenne et d'un progrès permanent de l'intégration européenne. Et à l'heure actuelle, nous ne pouvons que manifester une certaine inquiétude, en tout cas une certaine interrogation, devant la prise de position, par exemple, de la présidence finlandaise, tout à fait récente, et la proposition qui est que le budget européen soit diminué par rapport et à la proposition de la Commission, ce qui est assez rare quand même, et aussi, évidemment, par rapport à la position du Parlement. Les difficultés que nous rencontrons, les obstacles que nous essayons de lever tous ensemble, la première règle de sincérité serait de dire qu'ils sont franco-français. C'est de la surtransposition, c'est une collectivité région qui va complexifier à outrance le montage des projets, etc. Alors c'est vrai qu'on est à un moment particulier de la construction européenne et aussi un moment particulier de l'histoire. Il y a un désamour à l'heure actuelle de la part des populations locales vis-à-vis de l'Union européenne. Certes, on peut considérer qu'il existe depuis un certain temps, mais c'est sûr que le Brexit concrétise vraiment ce désamour. L'Europe, elle est ou populaire ou elle sera populiste. Et donc, elle sera détruite. Donc, c'est pas la peine de se poser une question en disant c'est des méchants, les populistes. Pourquoi ils sont là ? C'est parce que l'Europe n'a pas réussi à être populaire. Le peuple a toujours raison. Il faut arrêter de parler des institutions européennes pour expliquer l'Europe. Il faut expliquer aux gens qui sont devant les écoles, qui vont prendre leurs enfants, qui ont des problèmes de boulot, qui ont des problèmes de santé, pourquoi l'Europe est une valeur ajoutée pour eux. Quelle est la valeur ajoutée du projet européen pour les citoyens dans leur quotidien? On a un problème de culture européenne en France. On ne valorise, on n'a pas de culture européenne, on ne valorise pas suffisamment l'action de l'Europe dans les territoires. Ben voilà, la FCCRE, elle fait un boulot formidable sur le territoire, du maillage du territoire. C'est l'un des relais pour nous de l'action européenne. Il faut qu'on puisse s'appuyer. Voilà un exemple effectivement de collectivité qui va aller chercher les outils là où ils sont. C'est ce mécanisme qui est de déni en fait, qui est toujours présent quand on travaille sur les inégalités, et quelles qu'elles soient d'ailleurs. Quand on lit ces questions-là avec des chiffres, avec le budget, et qu'on parlait d'argent, on avait plus d'attention. Si l'on considère notre histoire commune, les pays du voisinage européen sont des partenaires incontournables. Développement partagé, coopération, partenariat économique. On considère depuis toujours que les collectivités territoriales, notamment à travers de leur coopération, sont un facteur de stabilité. Qui est appelée la compétence migratoire, va plus se transmettre chez les jeunes ayant plus d'opportunités, plus favorisés que chez les autres. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est l'autocensure des encadrants et des professionnels jeunesse. C'est-à-dire que ce sont eux-mêmes qui pensent que l'accès au dispositif de mobilité Erasmus+ est compliqué.
Le service volontaire européen, c'est un dispositif qui s'adresse à tous les jeunes sans condition de diplôme. Il n'est même pas nécessaire de connaître la langue du pays dans lequel on part. Et ce que permet donc cette mobilité, c'est un retour à ce niveau social qui va permettre aux jeunes de rebondir à son retour en France et de se poser des questions sur lui-même. Le FSE, c'est une histoire d'aide, de résultats concrets. Mais ces résultats concrets, on ne peut pas les obtenir seulement au niveau européen ou seulement au niveau local. On doit travailler ensemble. Alors aujourd'hui, le premier frein à l'insertion sociale et professionnelle, en particulier pour les allocataires du RSA qui sont en situation donc, de fragilité plus importante, donc en remobilisation sociale, c'est la problématique de la santé. De manière générale, les citoyens ne savent pas que l'Europe injecte massivement dans les territoires. Le FSE et l'IEJ ensemble en France sur 2014-2020, c'est 6,6 milliards d'euros. De déploiement du haut débit, de connectivité, etc., etc. On le sait que l'ensemble de ces objectifs ne pourront être atteints sans des politiques fortes à l'échelle locale, des investissements importants à l'échelle des collectivités territoriales. Le Parlement européen, la Commission, tous ces acteurs reconnaissent de plus en plus le rôle crucial des collectivités pour atteindre nos objectifs. Mais au-delà de ça, je ne vois pas une multiplication des moyens et des ressources. Et pour les territoires, il y a quand même un objectif spécifique qui s'appelle l'objectif spécifique 5, qui s'intitule « L'Europe plus proche des citoyens ». Où véritablement, là, il y a une ambition justement à faire que les territoires, et pas uniquement peut-être les territoires urbains, participent ou en tous les cas émargent au fonds européen. Souvent dans une commune de quelques centaines d'habitants, c'est souvent le maire qui fait lui-même ses dossiers, on le sait très bien, administratifs et financiers. Et donc il y a un vrai besoin de la part de ces territoires-là qui aujourd'hui ne trouvent pas une réponse véritablement en termes d'ingénierie de projet. Ce que nous on demande, c'est d'avoir une clarté dans la gouvernance, autorité de gestion simple. Parce qu'effectivement, un des problèmes majeur, en tout cas qui frappe la France, c'est la programmation et la consommation des fonds du FEADER leader. Au-delà du cadrage national, il y a une multitude d'acteurs institutionnels qui est au milieu et qui ralentit l'ensemble. Brest a été détruite à 80% après la Seconde Guerre mondiale et si elle s'est relevée, c'est grâce à l'Europe. On ne parle pas que d'argent quand on parle d'Europe, surtout pas. On parle de valeurs, on parle de projets politiques. On parle de quelque chose de grand et qui nous dépasse